Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de lecture. Allez, suivez-moi et prenez vos livres à la page 98. Et regardez bien le poster. Très bien. Oui, qu'est-ce que vous voyez dans le poster? Qui est-ce? Oui, c'est qui? C'est Karim. Oui, que porte Karim? Karim porte une chemise blanche et un costume bleu marine. Très bien, regardez bien. Et regardez bien, mes chers enfants, où se trouve Karim? Oui, regardez les accessoires ici. Karim est dans la chambre. Voilà. Oui, c'est dans la chambre. Très bien. Regardez là, qui est-ce? C'est qui? C'est Dina. Que porte Dina? Dina porte une robe. Une robe comment? Une robe bleue. Voilà, très bien. Où se trouve Dina? Regardez bien l'image. Dina est dans la salle de bain. Voilà, regardez bien. C'est la salle de bain. Voilà. Maintenant, regardez bien les accessoires. Il y en a quoi? Lavabo, la serviette, et ainsi de suite. D'accord. Maintenant, Dina est dans la salle de bain. Qu'en fait Dina dans la salle de bain? Elle fait quoi? Regardez bien. Dina après son bain. Alors, qu'est-ce qu'elle met? Qu'est-ce qu'elle met Dina? Oui, elle met quoi? Elle a mis des parfums. Voilà, le parfum. Très bien. Maintenant, regardez Dina et Karim. Oui, regardez Dina et Karim portent des habits de la fête. Ou bien on dit des vêtements de la fête. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont invités chez leur ami Farid. Très, très bien. Et maintenant, on va étudier le son 1. Voilà. Le son 1, A-I-N, se prononce 1, comme dans le mot train. Voilà. E-I-N se prononce 1, comme le mot ceinture. Très bien. Et maintenant, on va voir la phrase clé. D'abord, je vais lire cette phrase. Allez, suivez-moi attentivement. Dina et Karim sont invités chez leur ami Farid. Dina a pris son bain, puis elle a mis du parfum. Je relis. Dina et Karim sont invités chez leur ami Farid. Dina a pris son bain. Puis elle a mis des parfums. Voilà, très bien. Maintenant, chers élèves, regardez bien qu'est-ce que je fais. Allez, mes chers, dans la phrase, il y en a des mots qui contiennent le son 1. D'accord? C'est quel mot? Voilà, il y en a trois mots. Il y en a le mot invité, bain et parfum. Voilà, je répète, invité. Bain et parfum. D'accord. Maintenant, IN se prononce 1. AIN se prononce 1. Et UM se prononce 1. Voilà. D'abord, je découvre les mots avec le son 1. D'accord. Très bien. Du jasmin. Jasmin. Main. Un. Voilà. La peinture, peinture, peint, un. Un grain, 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 un. Un parfum, parfum, fin, un. C'est bon? Je relis. Oui. Suivez-moi l'autre. Une des, c'est la. Très
Très bien, maintenant, je relis la consigne. Les deux mots d'une syllabe. Il y en a un, d'un, voilà. D'un, fin, pain, pain, teint, rein, pain. Oui, je relis. Un, d'un, fin, pain, pain, teint, rein, et pain. Allez, au revoir, chers élèves.